Concert de Yemi Alade au Zénith de Paris. Yemi Alade a joué sur scène au Zénith de Paris. C'était vraiment un concert incroyablement génial de la méga star africaine Yemi Alade. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Yemi Alade, c'est une artiste d'origine Nigeria et c'est une artiste qui a su captiver le Zénith de Paris à travers ses singles type beat africain avec ses titres type Amapiano. Vous savez, Yemi Alade, c'est une artiste qui a voulu qui est en ce moment en creux de valoriser la culture nigériane, la culture africaine, la culture musicale africaine à l'international. C'est pour cela qu'il y a de cela 5 mois, elle a choisi le Zénith de Paris pour pouvoir être en contact avec ses fans sur scène à Paris, au Zénith de Paris. Pour tous ceux-là qui ne le savent pas, je suis Rap Choco La Fleur TV, le diffuseur officiel des concerts de vos artistes préférés. Donc ne vous inquiétez pas, ici dans la chaîne Rap Choco La Fleur TV, nous allons toujours vous diffuser les concerts de vos artistes préférés. Donc si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Pète un like et laisse ton avis en commentaire. En tout cas, je ne vous force pas, c'était juste un rappel. Alors mes chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV. Revoyons dans le concert de Yemi Alade au Zénith de Paris ce 21 septembre 2024. Alors Yemi Alade a invité beaucoup d'artistes comme Inos B en guest, beaucoup d'artistes congolais que vous connaissez. Vous allez découvrir cela lorsque nous allons vous diffuser cette vidéo. Avant d'appuyer sur le bouton play, si Vlad l'informateur m'écoute, nous allons lui passer l'antenne afin qu'il nous fasse un petit récapitulatif du concert de Yemi Alade au Zénith de Paris. Laissez vos avis en commentaire et Vlad l'informateur, à vous l'antenne. Bon! Yo les chocolats diamantaires et dorés d'amour. Bienvenue dans la chaîne Rap Choco La Fleur TV. Je suis Vlad l'informateur, l'envoyé spécial de Rap Choco La Fleur, celui-là qu'on surnomme en ce moment le diffuseur des concerts de vos artistes préférés. Merci Rap Choco La Fleur alia le diffuseur des concerts de vos artistes préférés, de m'avoir renvoyé l'antenne en direct de notre centre de diffusion, ici même à Paris. Le 21 septembre 2024, le Zénith de Paris a vibré sous les rythmes afropop avec le concert spectaculaire de Yemi Alade. La star nigériane, connue pour son énergie scénique débordante, a livré une performance mémorable, marquant un moment clé dans sa carrière et confirmant son statut d'icône internationale. Dès son entrée sur scène, Yemi Alade a électrisé la foule avec ses hits incontournables comme « Johnny » et « Ferrari ». Son charisme et ses talents vocaux ont captivé l'audience du début à la fin. En plus de ses performances solo, la soirée a été marquée par plusieurs moments forts, notamment lorsque la chanteuse a invité des artistes et personnalités spéciales sur scène. Singila, le chanteur franco-congolais, a rejoint Yemi pour un duo qui a enflammé la salle. Ensemble, ils ont interprété « Retour de flamme », leur collaboration, avec une synergie palpable. La foule a chanté avec eux, ravie de voir cette fusion de voix en live. Ensuite, Inos B, star montante de la rumba congolaise et du style afro-congo, est montée sur scène pour interpréter certains de ses succès comme « Yopé ». Sa prestation a été marquée par une chorégraphie dynamique qui a fait bouger toute la salle. Un autre invité surprenant était Jungeli, l'artiste prometteur qui a récemment collaboré avec Yemi Alade. Leur duo énergique a créé un moment inoubliable avec une combinaison de sonorités traditionnelles, africaines et modernes. L'un des moments les plus émouvants de la soirée est venu lorsque Merveille, une chanteuse émergente, est montée sur scène. Ensemble, elles ont livré une ballade puissante qui a touché le public par son intensité et sa beauté vocale. Pour ajouter une touche inattendue, la star nigériane a invité Francis Ngannou, le célèbre combattant de MMA et ancien champion de l'UFC. Bien qu'il ne soit pas chanteur, sa présence a enflammé la salle. Francis Ngannou a exprimé son admiration pour Yemi Alade et pour la musique africaine, symbolisant l'union entre le sport et la culture. Ce concert a été un véritable voyage musical, un hommage à l'Afrique avec des performances intenses,
des invités surprises et une ambiance festive. Yemi Alad a montré, une fois de plus, qu'elle est une artiste incontournable sur la scène internationale, réunissant des talents de différents horizons pour célébrer la culture africaine à travers la musique et la danse. Le Zénith de Paris a été le théâtre d'une soirée inoubliable, laissant les fans dans l'extase et l'attente des prochaines grandes étapes de Yemi Alad. Alors mes chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chaîne rap Choco La Fleur, ton média de diffusion des concerts de vos artistes préférés, renvoyons donc le concert de Yemi Alad au Zénith de Paris ce 21 septembre 2024. On y go boom. Paris va être à ce soir.
Nos mais le mot pas chaud. À la baie. L'incontournable Singila. The way I dress, my African hair. And I just want to thank every one of you for coming out tonight.
Thank you so much. I appreciate you so much. Thank you, my brother. Thank you, my
C'était Rap Chocolat Fleur, ton média préféré, des concerts de vos artistes préférés, cérémonies événementielles et j'en passe. Si tu veux faire partie des chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur, n'hésite surtout pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour toujours être informé de nos prochaines publications. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby.